Bon, je te propose, Bastien, pour finir cette interview, qu'on fasse ton top 3 up et ton top 3 down. On va commencer par le top 3. C'est dur à dire. Hein. Top 3 up. Vas-y, le top 3 up. Essayez à la maison, vous allez voir, c'est assez compliqué. Et là, je vais me faire lyncher parce qu'on va dire, mais c'est tellement facile à dire. Et c'est vrai, vous avez raison. Donc, top 3 up. Alors, qui tu mettrais en 3e, 2e et 1ère position au niveau de tes affinités? Est-ce que déjà tu m'autorises à enlever Mathieu et Chloé que je connais de l'extérieur? Sinon, c'est trop facile. Je t'autorise à retirer Mathieu et Chloé que tu connais de l'extérieur. Sinon, c'est facile, je vais les mettre en 2, tu vois. Eh bah oui, non, mais t'as raison. Alors, mon top 3 up, je mettrais Virgile, Vincent, Mélanie. Virgile en 1ère position? Mélanie, Virgile, Vincent. Mélanie Lady Gamma, Virgile, Vincent. Pourquoi Mélanie Lady Gamma? Parce que c'est. Ça a été un peu mon coup de cœur de l'aventure. On est encore très très bons amis aujourd'hui, on se voit souvent, etc. Malgré qu'elle soit à Paris et à Marseille. D'ailleurs, j'ai présenté ma chérie, elle m'a présenté ma chérie, etc. Et non, mais voilà, en fait, on a eu de grosses conversations très sincères avec Mel. C'est-à-dire, c'est une parce qu'elle a du mal à s'ouvrir. Hein. Ouais, elle a du mal à s'ouvrir. Ben, un peu comme moi en vrai. Et justement, quand j'ai exposé ma problématique, elle est de suite venue me voir après en me disant je me retrouve un peu quand même dans ce que tu dis et ta manière de le dire surtout. Et elle m'avait trouvé touchant, donc on a eu des grosses discussions par rapport à ça. Elle a essayé d'en savoir un peu plus. Ça m'a touché qu'elle s'intéresse. Je me suis intéressé aussi à elle, à sa problématique, etc. Et voilà, ça s'est créé comme ça. Et Vincent, tu me l'as dit en 2e position. Ouais, ben Vincent, j'ai adoré direct. En fait, Vincent, on a fait le voyage ensemble et tout. Et pareil, super avenant, hyper drôle, un cœur. Mais genre, pour moi, c'est le plus grand cœur de cette vie-là, vraiment. Et ouais, ça l'a fait direct, il m'a de suite mis à l'aise. Vincent, il en est à je sais pas combien de télé, il savait très bien que j'arrivais sur mon premier tournage télé-réal. Et voilà, c'est aussi grâce à lui aussi que je me suis bien intégré dès le début. Et la 1ère position, tu m'as dit? C'était Mel. Après, j'ai Virgile avec Vincent. Et Virgile? Et Virgile, pareil, tu peux pas ne pas t'entendre avec Virgile. Ouais, c'est dur. Hein. Virgile, tu peux même être méchant avec lui, ça glisse sur sa peau, tu vois. Alors, et les gens comme ça, mais c'est exceptionnel. Donc Virgile, un mec super gentil, pareil, super avenant, toujours drôle et tout. Et voilà, aujourd'hui, pareil, aujourd'hui, ça fait partie des gens avec qui je suis en contact quotidien et permanent. Top 3 down, maintenant. 3e, 2e et 1ère position. Alors, mais là, c'est l'effet inverse. Alors, l'effet qui se coule. En 3e position, je mettrais Julia. Ouais, Paredes, pourquoi? Parce que... elle n'était pas sincère en venant dans cette aventure. Voilà. Elle nous l'a montré. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est partie aussi assez tôt. Et puis j'avais pas trop d'affinité avec elle. Enfin, on parlait pas. Enfin, voilà. Ok. Deuxième position du top 3 down. Plus facile à dire là. Deuxième position du top 3. Mais le truc, c'est que je sais même pas si j'en ai 3 de down. Ah, donc en fait, c'est juste Julia ta target. Non, j'en ai une deuxième. Vas-y. J'en ai une deuxième. Et oui, au moins qu'on balance un peu le truc. Bah, Ilan. Ah, pour quelle raison? Parce que c'est le seul avec qui je me suis pris la tête dans cette villa dès le début de l'aventure. Voilà. Ok. Pas d'autres raisons? Non. Grosse histoire avec Ilan, début d'aventure et puis. Ok. Ça passe pas. Ça pourrait pas être ton ami dans la vie de tous les jours. Non, on est très très différents. En quoi? Caractère, manière d'être. Il est très. Tu sais, m'as-tu vu? Moi, je. Regardez-moi les filles et tout. Moi, c'est tout l'inverse. Voilà. Après, on se voit bonjour, au revoir, tu vois, y a pas de problème, mais ça passe pas. Eh ben merci, Bastien. Ah ben, merci à toi. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Restez connectés parce qu'il va y en avoir plein des interviews de la villa, des cœurs brisés, 4.